présentation de Vénus. Vénus est arrivée ce matin en pension. J'ai ressenti vraiment dans un état d'anxiété impressionnant. Je l'ai mise dans un enclos. Elle a sauté une clôture qui fait plus de 2 mètres. Donc on va essayer de recréer la situation pour filmer et la voir faire que les gens se rendent compte de l'état émotionnel de leur chien, au moins que ça serve. Voilà. Vénus. Obéir, apparemment, elle obéit. Comme quoi, c'est vraiment pas ça le plus important. C'est clair qu'un chien dans cet état-là qui réagit, qui réagit aux moindres stimulations, bah les gens essayent de le contrôler. Il faut qu'il obéisse. Alors qu'en fait, c'est l'état dans lequel il est qui l'amène à agir ainsi. Ah oui, mais là j'ai un chien. Vénus! Vénus! Et où? Bon, on va faire une deuxième vidéo. Vénus! Allez, viens! Ah, voilà. Viens la puce. Avec-moi. Tiens, Vénus! Si elle rentre, on va voir. Hop, viens avec moi. Tiens. Viens, Louloute. Voilà, tu restes là. Je vais m'écarter. Donc, ouais, la hauteur des grillages. Hein. Les enclos font à peu près 2 mètres de grillage plus la hauteur d'un parpaing, voire plus. Donc, c'est 2 mètres 20. C'est que s'il me voit, elle va. Voilà. Alors, je vais me mettre et partir. Et on va voir dans combien de temps elle va arriver. Elle a déjà sauté 2 fois. Voilà. La troisième, ça commence à être plus dur parce que ça lui demande. Voilà, il était presque là. Il était presque. Alors, et si le chien se blesse pendant qu'il est en pension, oui, ça sera ma... Je serai accusé à la limite de mauvais traitement.
Donc tout à l'heure, pendant que je transférais d'autres chiens, en fait, Marie est venue me dire que Vénus était derrière le portail. Non seulement elle avait sauté la clôture de l'enclos, mais elle avait sauté aussi la clôture d'enceinte du terrain. Voilà. C'est généré par le propriétaire qui vient de se séparer de son chien. Le chien est dans un tel état d'anxiété. Voilà, là voilà. Voilà, Vénus est sorti. Ça lui a pris 5 minutes. Et alors, on va faire quoi avec toi? Hein? Mets-moi ça dans les taquets. Voilà. Voilà le travail. Sincèrement, ça m'intéresse pas de garder les chiens comme ça. Bon, voilà, j'espère que ça servira au moins à quelque chose. Bonne journée à tous.